bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve, on est samedi 17 novembre, je suis en voiture avec ma maman. Aujourd'hui je suis pas avec Kevin et Nila, je les ai abandonnés ce matin. Il reste entre père et fille aujourd'hui puisque j'ai un événement aujourd'hui sur Lyon à 14h ou 14h30, je sais plus, il faudra que je vérifie. Du coup j'emmène ma maman avec moi, là il est midi 20, on est parti super tôt parce que comme vous avez très certainement dû en entendre parler, aujourd'hui il y a les blocages sur la route et tout, donc on avait un petit peu peur de rester bloqué sur la route tout et simplement. Il n'y a personne. Et il n'y a personne depuis tout à l'heure, on a pris la nationale, il n'y a personne, donc il n'y a même personne sur la route en fait, il n'y a même pas de voiture. Du coup ben, pour un samedi c'est hyper choquant, donc j'avais pas envie d'annuler l'événement vu que ça fait un petit moment que j'avais dit que je serais présente. J'ai pas envie d'annuler juste à cause du blocage, donc du coup on est parti plutôt au cas où et finalement ben ça va très très bien. J'espère qu'on va pouvoir se garer, mais on est bientôt arrivé, donc on va aller manger un bout, je sais pas où. Tu as une idée toi? Non, je sais pas, je sais pas du tout où est-ce qu'on va aller manger, mais bon ouais, je vous montrerai tout ça et puis je vous montrerai un petit peu. Aujourd'hui c'est à l'hôtel Carlton de Lyon. Je suis jamais allée à cet hôtel là, pourtant j'y passe souvent parce que je fais souvent des petites photos devant. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, je vous remettrai mon compte en barre d'infos et juste là. Mais je vous fais souvent des photos, en fait c'est la façade où il y a le Sephora et je la trouve trop jolie cette façade, mais je suis jamais rentrée dans l'hôtel, donc on verra bien, je vous montrerai tout ça. Ça c'est un pull plaid. Tu es qui toi? Hein? Oscar! Alors là, ouais. À la maison, c'est 18h15 et je pensais retrouver Kevin et Nila en rentrant à la maison, mais ils sont toujours pas rentrés. Ils sont partis cet après-midi, ils étaient pas là quand je suis arrivée, donc je suis dégoûtée. J'étais trop pressée de rentrer pour les voir et pour retrouver mon petit bébé que j'ai pas vu depuis ce matin. Finalement, ils sont pas là, donc c'est pas grave. Je vais en profiter pour papoter un petit peu avec vous. Donc, on vient juste de rentrer, on est parti de l'événement, c'était 16h20, je crois à peu près. Normalement, vous avez eu quelques plans. Ma maman a essayé de filmer un petit peu, je pense que ça devrait aller, mais elle a filmé un petit peu. Je sais même plus si je vous ai dit qu'à la base, on allait à l'événement pour le mini macaron. D'ailleurs, le petit sac, il est trop joli, je vous montre. Donc on allait pour le mini macaron, je sais plus ouais, si je vous l'ai dit dans la voiture ou pas. Il y avait l'atelier du coup semi-permanent pour les ongles avec le mini macaron. Je sais pas si vous connaissez le mini macaron, mais on en entend quand même pas mal parler sur Insta, sur YouTube, etc. Je vais vous y montrer d'ailleurs parce que du coup ils nous ont offert un mini macaron, parce qu'il y a le grand macaron avec quoi aujourd'hui nous ont fait les ongles. Et il y a le mini, donc le mini ça se présente comme ça, donc c'est un tout petit macaron en fait.
Et vous pouvez faire sécher donc votre vernis semi-permanent juste en dessous. En fait, c'est une lampe. Le packaging, il est adorable. Je suis trop contente. Ma maman était super contente parce qu'elle voulait l'acheter justement à l'événement. Elle me disait, est-ce qu'on peut l'acheter à la fin? Donc moi, je me suis fait faire les ongles en nude. Comme d'habitude, je suis pas sortie de ma zone de confort, mais j'avais très envie de nude. En plus, j'ai des ongles vraiment tout petits en ce moment. Donc les vernis trop foncés, je trouve que ça me va pas du tout avec les ongles aussi courts que ça. Donc ça, c'était super cool. On a fait aussi j'ai fait parce que maman l'a pas fait, le modelage aussi des mains avec la marque Sotis. C'était hyper agréable, ça détend vraiment, t'es presque à la limite de t'endormir tellement ça te détend. Et il y avait un atelier make-up avec la marque SL à Paris. Moi aussi, je vous ai déjà parlé de la marque parce que j'adore leur lip crush, les liquid matte pour les lèvres, ils sont géniaux de cette marque là, je les adore. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai pas regardé du tout. Trop contente, je viens d'ouvrir la pochette et que des belles surprises. Donc on a cette jolie pochette déjà toute dorée, magnifique pour les fêtes. Je sais pas si elle est en vente, si jamais c'est le cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si je le trouve. Mais en tout cas, c'est vraiment une superbe idée cadeau si c'est le cas. Donc j'essaierai de trouver le lien si elle est en vente, j'espère, parce que c'est vraiment super joli pour tester la marque, je trouve ça super. J'ai cru que c'était une poudre ça, mais non, c'est un enlumineur, il est magnifique. Alors tous les packagings sont dorés là pour l'occasion, absolument magnifique, et je viens de le swatcher comme vous pouvez voir. Il est hyper pigmenté, canon. On a justement un lip crush. Alors ça, c'est les rouges à lèvres que j'adore. Je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois sur la chaîne. Sauf que d'habitude, ils ont un packaging tout noir. Et là, pour l'occasion, bah, ils sont tout dorés. Donc magnifique. Pour la teinte, ils ont toujours des petits noms genre George, Matt, etc. Donc là, c'est la teinte Bruce que je connais pas du tout. La teinte 09, donc je testerai et je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, le packaging, j'adore. Et on a également un petit pinceau pour vous montrer aussi mes petits achats chez Emma et chez Sauce Rengren. Parce que je sais pas si vous avez vu, enfin si vous êtes lyonnaise, il y a un Sauce Rengren qui a ouvert rue Grolet, donc juste derrière Emma et Sephora. On a fait ces deux magasins là seulement parce qu'il s'est mis à pleuvoir comme pas possible. Donc on a juste eu le temps de faire ça chez Emma. Alors j'ai repris des petits gâteaux comme ça. C'est des gâteaux au gingembre en forme de pain d'épices. J'en ai pris chez Action. Je vous avais montré la dernière fois en forme de sapin de Noël. J'ai trouvé cela pour se faire un petit peu. Ah, voilà, ça fait partie de mes achats chez Sauce Rengren. J'ai pris chez Emma des petites cartes Happy Holidays comme ça avec les enveloppes. Je voulais prendre des petites cartes encore une fois pour les concours parce que du coup il m'en manque encore un petit peu. Des petits pics plutôt, comme des cure-dents en fait, qu'on met sur les cupcakes, sur les apéros, les olives, etc. Donc j'en ai pris des dorés, des étoiles. Et il y avait des petits cerfs rouges super jolis, donc ça j'ai adoré. J'ai pris aussi du ruban comme ça pour emballer les papiers cadeaux qui est tout doré. Il y en a trois designs différents que je trouvais super jolis. Et j'ai pris aussi un nœud comme ça pour mettre sur le sapin ou ailleurs, je verrai. Chez Sauce Rengren, j'ai pris alors ce gros nœud pour mettre sur un gros cadeau. Je trouvais trop beau, c'était 97 centimes. Et j'en ai pris un peu plus petit comme ça qui coûtait 67 centimes je crois, qui est super joli. Et pour terminer, j'ai pris deux cartes comme ça pour encore une fois pour les concours. Donc je vous les montre pas trop parce que j'ai envie que ça garde un petit peu de surprise quand même pour celles qui vont recevoir un petit lot. Mais voilà à peu près pour mes petits achats de l'après-midi. Donc pas grand chose, hein. On a juste été faire vite fait quelques magasins, mais c'est tout. Et là moi j'ai juste l'impression d'avoir parlé à peu près 15 ans. Bon, je suis pas sûre que vous y voyez vraiment quelque chose de plus, mais bon c'est pas grave. Je voulais juste vous montrer la cécérette correcte de chez Herborian. C'est une crème en fait qui est verte, que vous appliquez sur votre teint, soit sur vos rougeurs localisées, soit sur votre teint un peu de partout comme j'ai fait tout à l'heure sur ma maman parce que je lui ai pas mis de fond de teint après. Et vraiment ça corrige instantanément, c'est assez impressionnant parce que vraiment vous avez l'impression d'avoir vraiment plus aucune rougeur du tout. Moi je le fais uniquement localisé sur certaines zones, les jours où je me maquille pas, et franchement je mets juste ça avec un peu de poudre. Et celles qui n'ont pas forcément envie de se maquiller des tonnes, je vous conseille vraiment de tester celle-ci. Il me semble qu'elle existe aussi en tout petit format, donc pour tester c'est vraiment cool, surtout qu'elle coûte je crois 15€ en petit format, donc c'est pas cher, 10-15€. Et vraiment elle est super bien. Les crèmes Herborian de toute façon elles ont plus rien à prouver, elles sont vraiment géniales, mais celle-ci elle est vraiment top, elle corrige vraiment les rougeurs si jamais vous en avez. Je vous recommande vraiment d'investir dans ce genre de produit là que moi j'adore vraiment. Et je voulais vous montrer aussi 2-3 petits colis pendant que Nila et Kevin ne sont pas rentrés, autant en profiter pour vous montrer encore 2-3 trucs. Je voulais vous montrer mes petits produits et Nila est rentrée en même temps, donc du coup il y aura des petites mains qui volent au passage, mais bon c'est pas grave. Donc je voulais vous montrer la gelée éclat du jour chez Clarins. Cette gamme là de chez Clarins, je vous en ai déjà parlé mais plein de fois encore une fois sur ma chaîne parce que je l'adore. Déjà d'une, elle coûte pas cher du tout et elle est vraiment très bien. Après elle est destinée vraiment aux peaux un peu jeunes entre guillemets. Je crois que c'est une gamme qui va jusqu'à 25 ans à peu près. Voilà, après les premières rides il faut passer sur une autre gamme. Elle est vraiment géniale, elle coûte pas cher et ça sent super bon, je l'adore. Et j'ai reçu le masque à l'argile rééquilibrant qui se présente dans ce packaging là, que j'avais déjà en jaune, qui c'était pas le masque rééquilibrant, c'était un autre masque qui était vraiment génial aussi. Et il en existe un troisième il me semble qui est bleu, que j'aime beaucoup. Cette gamme là chez Clarins, elle est vraiment géniale, c'est la gamme SOS pure que j'aime beaucoup. Et alors ça, j'ai reçu de chez Glam Glow une magnifique palette d'highlighter. Voilà comme elle se présente. Il y a 3 highlighters différents. C'est des highlighters qui sont vraiment facilement portables. Il y en a un blanc nacré,
Il y en a un qui est doré et un petit peu plus bronze, mais vraiment joli. Même en fard à paupières, je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc les couleurs sont canon. Ça, je suis super contente. J'ai hâte de tester la pigmentation. J'ai hâte de tester la pigmentation de celle-ci. La dernière chose que j'ai reçue, que je voulais vous montrer, c'est Nila qui est en train de la déballer. Du coup, c'était une jolie box de chez Nuxe. C'est la box Ice Break by Nuxe, qui est super jolie. Donc c'est la box qui se compose de produits rêve de miel. Donc là, on a la crème pour le corps ultra réconfortante. Il y a la crème pour les mains et les ongles que j'adore, qui est toujours dans mon sac. Le baume lèvres rêve de miel, ça je sais pas si vous étiez là sur YouTube au moment où il faisait le buzz ce produit, mais tout le monde l'achetait parce qu'il était vraiment génial et il faisait un peu le buzz. Et on a aussi le gommage pour le corps, le gommage gourmand nourrissant pour le corps. Et pour terminer, il y a aussi un petit produit de la marque Love Organic, donc ça c'est du thé. Et d'ailleurs ma maman m'en a parlé de ce thé là, elle m'a dit que les thés Love Organic elle avait goûté, il était vraiment super bon, donc j'ai hâte de le goûter. Celui-ci c'est un thé de Noël aux épices, raisins, hibiscus et en français cassis. Donc j'ai hâte de goûter, en tout cas le packaging de Noël il est super joli, donc voilà. Voilà pour les petits produits que j'ai reçus cette semaine, enfin ces derniers jours. Je suis super contente parce qu'il y a des jolies choses et pour Noël il y a toujours des choses super sympas, donc c'est cool. Quoi, mon amour? Non. Non? Mila, c'est toujours non. T'es au téléphone? Non. Tu téléphones avec qui? Parce que t'es au téléphone avec une photo quand même. Non. Si, si, je te jure. Non. Si. Papa. Papa, tu téléphones avec papa? Ah. C'est le bazar dans la maison. Non. Il y a du bazar de partout. Non. Quand je vous montrais mes achats chez Sauce & Graines, le truc que je voulais plus vous montrer, c'est ça. Et j'ai complètement oublié de vous y montrer. C'est des cintres en velours. C'est pas forcément pour ça que je les achète. C'est juste parce qu'en fait, ils sont super fins. Et du coup, ça prend pas du tout de place dans la penderie. Non. Moi, les miens, je les ai remplacés, ceux qui étaient en bois. J'en ai déjà acheté la dernière fois, du coup là j'en ai repris quelques-uns parce que du coup ça prend vraiment pas de place. C'est beaucoup mieux et ça accroche mieux les vêtements aussi que ceux qui sont en bois. Comment tu dis merci? Merci. Bon, je reprends le lendemain matin, je suis désolée, j'ai oublié de clôturer le vlog hier quand il est rentré. J'ai posé la caméra et j'ai complètement oublié, enfin j'avais plus très envie de vlogger. Donc je vais vous dire au revoir ici, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Nous aujourd'hui, moi je vais aller faire des photos pour un petit shooting aujourd'hui. Il y a Nila qui est en train de faire de la voiture à côté. Comment tu dis au revoir? T'es gentil mon amour. Voilà, Nila vous a dit au revoir. Je vous fais un gros bisou. J'allais oublier de vous dire un truc important. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si les vlogmas vous intéressaient pour le mois de décembre. Et vous êtes plus de 90% à avoir voté que oui. Donc du coup, au mois de décembre, je vais faire un vlog par jour pendant 25 jours. Je pense que c'est pendant 25 jours. Donc voilà, j'ai super hâte de partager ça avec vous. Vous savez que Noël, c'est un peu ma période préférée de l'année. J'adore ça. Donc je suis super contente de pouvoir vous faire plein de vlogs sur Noël, plein de vlogs tout le mois de décembre. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Puis j'espère que ce petit vlog là vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog. Mouah.